dance for me, dance for me, dance for me. Ah. Oh, c'est ma Sammy. Tu n'as pas vu ma poupée préférée? La poupée voulait aller au parc d'attractions, alors j'ai décidé de l'emmener faire un tour. Ah, tu ne voudrais pas faire un tour toi aussi? Non, merci. Eh bien, j'insiste. Tu n'oseras pas. Aussi que je vais oser. Les enfants, Sammy m'a inspirée pour créer une chose très intéressante. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un mini manège que j'adorais quand j'étais petite. Bien, regardez les mesures. Ça ne va pas être facile pour toi de faire ce bricolage, moi. Qu'est-ce que tu insinues? Oh, tu ne peux pas imaginer. Tu essayes de me faire peur? Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Les enfants, mettez un pouce bleu si vous non plus, vous n'avez pas peur de la menace du petit Sammy. Petit, c'est ça, tu l'auras voulu. Sammy, ne le prends pas mal. Personnellement, je pense qu'un tour de machine à laver est plutôt rigolo. N'est-ce pas, Sammy? Ouais, bien sûr, c'est super marrant. Maintenant, il nous faut encore le compas. Mais il est où? Ah, si! Je voulais t'aider à colorer la création d'aujourd'hui. Ouais. Je n'avais pas remarqué que c'était un compas et pas un pinceau. En fait, tu sais, c'est encore mieux. C'est une bonne excuse pour tester mon nouveau compas. C'est une bonne excuse pour tester mon nouveau... Qu'est-ce que tu... Rien. Dis, tu es sûr? Très bien, alors. Maintenant, on va coller plusieurs pièces à la base. Des pièces comme ça. Je crois qu'on devrait toujours répondre à la négativité par quelque chose de positif. Voilà pourquoi Sammy ne peut pas gâcher mon bricolage. Les enfants, il faut bien fixer les pièces sur la base. N'oubliez pas de faire attention en manipulant la colle chaude. Positif, négatif, c'est n'importe quoi. Tu vas rater sa création quand même. Placez ce cercle au centre du carrousel. Ici. Vous aurez besoin de 2 cercles au total. Quoi? Sammy! Il s'est passé quelque chose. Calme-toi, Su. Pense positif. Heureusement que j'ai fait plusieurs cercles de secours. Voilà. Parfait, on continue. Très bien. Maintenant, nous avons besoin de... Alors, Sammy, tu voulais dire quelque chose? Si, je suis désolée. Je ne prendrai plus jamais tes affaires sans te demander. Je ne suis pas en colère, Sam. Je voulais juste te prouver que ma théorie de la pensée positive fonctionne. Ensemble, on va finir le bricolage plus vite. Hop! Découpons maintenant ce long morceau de carton souple en petites pièces. Attention, les doigts! Ouh! Tu sais, Su, je n'ai pas aimé être en désaccord avec toi. Ouais, ce n'est pas très agréable. Et voilà. Su, on se disputera plus jamais. C'est impossible. Tout le monde se dispute de temps en temps. Et c'est normal. L'essentiel est de reconnaître son erreur à temps. Tout comme je l'ai fait, je suis revenue juste à temps. Eh bien oui, Sammy. Tu as bien fait, comme toujours. Je suis formidable, comme toujours. Ta modestie n'a pas de limite. Les enfants, on va fabriquer une roue qui fera tourner notre manège. On met un peu de colle, il faut faire très attention. Et on roule le cercle sur le morceau de carton souple. Voilà, c'est bon! Si, je trouve que ce carrousel ressemble à une énorme toupie. Oui, sauf qu'on peut monter sur cette énorme toupie. Bref, assemblons le moteur pour le manège. Les enfants, le fer à souder est très chaud. Faites attention en le manipulant ou bien demandez à un adulte de vous aider. Je suis un pro des manèges. J'ai donc connecté les batteries au moteur. Ce moteur va faire tourner notre carrousel. Plaçons-le ici et... Regardez, ça marche! Wow! Cool! Sam, à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, une paille! C'est justement ce qu'il me faut! Non, Sammy, on va faire les poteaux du carrousel. Plus tard, on y attachera des sièges en forme de chevaux. Je vais enfin pouvoir refaire de l'équitation! Mais Sammy, tu n'as jamais fait d'équitation avant! Ouais, et alors? J'imaginais à quel point ça pouvait être génial, tu vois! Ah oui? Dis-moi en plus! Oh, imagine!
le soleil couchant sur l'horizon, des champs à perte de vue, la crinière de mon cheval qui vole au vent. Et moi, méditant sur les paysages au loin. Oh, comme c'est beau! Nous sommes en présence d'un vrai romantique. Si, je ne suis pas un romantique. J'aime juste rêver un peu. Ouais, moi aussi. Tu sais, je m'imagine souvent des choses comme... Laisse-moi deviner, des défilés de mode! Comment tu le sais? Oh, c'était tellement compliqué. En tout cas, je m'imagine toujours les mannequins sur la piste avec mes robes. Les enfants, mettez un pouce bleu si vous aimez rêver vous aussi. Et cliquez sur le bouton de la sonnette. Pour nous voir, Sam et moi, faire de nos rêves une réalité. En attendant, je place ce cercle sur les poteaux. Hop! Waouh! C'est comme une maison pour moi! Tu t'y sens bien? Oui! J'aimerais juste que le toit ne tremble pas. Un instant, c'est fait. Sammy, j'ai une mission importante pour toi. Tu pourrais dessiner un cheval, s'il te plaît? Une tête, une crinière et 4 sabots. Facile! En fait, dessiner un cheval, ce n'est pas si facile. Mais voyons comment tu te débrouilles. La simplicité, c'est du génie, comme on dit chez moi. Et comme je suis un génie, ça va être facile. Ah, tout à fait logique. C'est presque fini. Regarde mon chef-d'œuvre. Sam, je comprends que tu sois un grand génie. Mais c'est trop simple. Oh, pense positif. Pense positif. Et maintenant, la touche finale. Voilà. Le toit est fait. Sammy, tu sais pourquoi les places de carrousel sont généralement fabriquées en forme de chevaux? À vrai dire, oui. Pourquoi des chevaux? C'est parce qu'à l'origine, le mot carrousel faisait référence à des spectacles de chevaliers. Ils galopaient en cercle, en se passant des balles les uns aux autres. Il me semble que le carrousel trouve son origine sous l'Empire byzantin. C'est intéressant. Si, est-ce que je ressemble à un chevalier? Sammy, tu es incroyable! Le cheval est aussi très bien fait. Attachons-le à la perche. La théorie de la pensée positive fonctionne! Je te l'avais dit! Voilà le deuxième cheval et la partie extérieure. Oh, regardez comme c'est beau! Et voilà! Tournons un peu plus le manège. Si! Je veux coller un cheval moi aussi! Attends un peu, Sammy. Maintenant, tu peux. Très bien! Voilà! C'est fait! Si, je pense qu'il manque quelque chose. Quoi exactement? Des décorations, bien sûr! Tu as raison, Sammy. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voici nos décorations de carrousel. On applique de la colle avec précaution et on met chaque détail sur le manège. Voici un nuage! J'aime déjà le résultat! Hop! Waouh, si! C'est encore plus beau maintenant! Merci! Sammy, j'ai perdu une étoile quelque part. Quelle étoile? C'est moi l'étoile! Enfin, quelle étoile? Très drôle, Sammy. Mais c'est vrai, tu es une vraie star. Prenons une plus grande étoile maintenant. Elle va sur la partie inférieure du carrousel. Voilà! Mettons aussi une petite barrière pour que nos chevaux ne s'enfuient pas. Encore un morceau ici et là. Et c'est fini! On ajoute un peu de magie? Si! Combien de temps il faut encore attendre? Juste un instant! Démarrons le manège! Maintenant, tu peux enfin faire un tour. Toi aussi, Sammy. Non, merci. J'en ai assez fait aujourd'hui. Les enfants, regardez ce super carrousel qu'on a construit. Mettez des pouces en l'air et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir. À bientôt, les amis. Salut.